Yo mes potos, bon, bien arrivé à Nankyo. Pour vous donner une idée, on a fait 100 km, on a mis 3h30 à peu près. Franchement, c'était chaotique la route quoi. La route elle est défoncée, pas tout le long mais presque. Il y a des trous, mais de 50 cm de profondeur. On a été bloqué parce qu'il y a eu un éboulement de rochers sur la route et il y a une grue qui était là pour tout virer. Donc on a été bloqué 20 minutes. Enfin voilà, je suis arrivé hier, il est à 1h de l'après-midi à peu près. Franchement, on a l'impression qu'on arrive au bout du monde ici. Et je vous parle pas de demain, quand je vais partir à Muang Noi, ça va être encore plus que ça, quoi. Donc bah voilà, bah là je vais aller me faire un petit tour dans Nankyo, histoire de visiter un peu, parce que bien sûr, bah, c'est la première fois que je viens là. Bon bah à plus mes potos. Mes potos, j'ai passé 2 jours à Nankyo. Là, je suis en train de traverser le pont pour la dernière fois. Je vais à la boat station là, et puis bah, c'est parti pour Muang Noi. Bon mes potos, au début de la vidéo je vous disais qu'en arrivant à Nankyo on avait l'impression d'arriver au bout du monde. Ben non, finalement c'est ici le bout du monde, c'est à Muang Noi quoi.
Là, on arrive, c'est la machine à remonter le temps. J'ai l'impression que j'arrive à 100 ans en arrière à peu près, quoi. Mais c'est vraiment super beau, super mignon. C'est renfermé par des montagnes. On a des montagnes tout autour. Là, vous ne pouvez pas les voir parce qu'à cette heure-là, bien sûr, il y a de la brume qui les couvre complètement. Ça se dégage qu'en début d'après-midi, en principe. Et il y a juste une rue principale, tout en terre, avec des cailloux de partout. Il y a des maisons avec des petits restos tout le long. La rue, elle doit faire quoi? Je sais pas, elle doit faire 800 mètres de long à peu près. J'ai vu qu'il y avait des petits chemins qui partaient pour accéder à des points de vue en hauteur. Je vais faire en sorte d'y aller dans l'après-midi, histoire de prendre de belles vidéos. Et enfin voilà, quoi. Là, j'en reviens pas d'être arrivé ici. C'est une merveille, quoi. Franchement, j'ai adoré de partout où je suis passé depuis le début de mon trip au Laos. Alors là, je crois que ça va être le coup de cœur du nord du Laos, quoi. Franchement, c'est exactement ce que j'attendais, bah, de mon voyage dans le nord du Laos, d'arriver dans un endroit pareil. Bon mes potos, après 2 jours à Nongkyo et puis finalement 3 jours à Muang Noi, j'ai prolongé d'une journée de plus. J'aurais presque pu prolonger d'une semaine là, tellement je suis bien ici. Franchement, ça aurait été le bonheur de passer ces 5 jours dans ces deux villages là. Vraiment de la bombe, quoi.
Voilà, bah là je vais repartir demain, je reprends le bateau, direction Nongkyo, première étape. Ensuite, bah, je prends le van pour retourner à Luang Prabang, histoire de retrouver dans une ville un peu civilisée où je vais pouvoir me choper un avion pour décoller d'ici. Voilà, bah, le voyage au Laos se termine ici, mes potos. Dans 3 ou 4 jours, bah, je décolle dans un autre pays. Je vous verrai ça plus tard dans la prochaine vidéo. Je vous laisse la surprise. Je vous embrasse, mes potos. À plus.